charger ta vie. Ça peut te décharger d'un fardeau de vieille date. De grandes choses peuvent se passer dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons commencer par quelque chose. Il y a 3 jours, je me suis réveillé comme d'habitude tôt le matin. J'ai prié et je me suis recouché. Et dans ce petit temps de repos, je me suis retrouvé en train de rendre ministère à quelqu'un, à un frère. Et pendant que je priais avec lui, une voix m'a parlé. Dit le problème qu'il a là, ça va me parler audiblement. C'est comme quelqu'un qui me parlait. Le problème que ce monsieur a là, c'est à cause du nom de famille qu'il porte. Prie pour ça. Et j'ai pris ça pour prier avec ce frère. Quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'effectivement, le nom, j'enseigne beaucoup de choses sur ça, mais ça là, c'était pratique. C'était une révélation, je vais dire. On va commencer par là ce soir. Enfin, il y a des choses qui se passent avec toi. Juste à cause du nom, peut-être Agui que tu portes. Du nom Sagohan que tu portes. Et si ton nom était Gonsalves. Peut-être que ça là. Ça ne va pas se passer. Alléluia. C'est une instruction que j'ai reçue dans le sommet pendant que je rendais ministère à quelqu'un. Frère, on va commencer par là. Qui va élever la voix et prier? Ce qui se passe dans ta vie, à cause de tes origines, fidèle à ton son ou tout, à cause de tes origines, paternelles ou maternelles, tu vas dire ce soir, Seigneur, détruis ces choses de ma vie. Tout ce qui se passe avec moi et qui est lié à mes origines, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, libère-moi de ces choses ce soir. Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier, frère. Prends ça vraiment au sérieux. C'est une instruction divine que moi j'ai reçue. Frère, prie avec agressivité. Ce qui se passe dans ma vie ou avec moi à cause de mes origines. Seigneur, libère-moi de ça. Détruis-les de ma vie. Frappe les mains comme un soldat et prie au nom de Jésus. Prie. Sois déterminé dans ta prière de ce soir. Ceux qui me combattent, ceux qui me dérangent, tout ce qui se passe dans ma vie, à cause de mes origines, paternel ou maternel, mon Dieu, mon Père, ce soir, libère-moi de ces choses. Détruis-les, élimine-les de ma vie. Mon frère, prie avec ardeur. Prie. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe avec moi, à cause de mes origines, mes origines paternelles ou maternelles, Seigneur, détruis-les. Détruis-les, néant. Libère-moi de ces choses. Prie. Les gens derrière, priez. C'est une instruction divine. Parle. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe avec moi et qui est lié à mes origines, mon Dieu, mon Père, détruis.
Élimine-les de ma vie. Libère-moi de ces choses. Libère, libère, libère les miens. Mon mari, ma femme, mes enfants. Tout ce qui se passe dans la vie et qui est lié à leurs origines, paternel ou maternel, soit anéanti ce soir, soit détruit ce soir. Seigneur, libère les miens. Pray, pray, pray. Insiste. Insiste. Mon frère, insiste bien. Non, vite, t'es dédié, Ganti. Pray. Ode. Insiste. T'es dédié. Continue à presser de l'avant. Prie. Presse de l'avant. Donne-nous qu'on y demeure. Jesus, now we pray. Jesus, in come and behold the day. Tu vas élever la voix et prier que tout ce qui réclame un droit ou un pouvoir sur ta vie à cause du nom de famille que tu portes, tout ce qui réclame un droit ou un pouvoir maléfique sur ta vie à cause du nom que tu portes, tu vas dire Jésus, par ton sang, libère-moi ce soir définitivement. Libère-moi de ces choses. Que leur influence et leur pouvoir sur ma vie soient brisés. Anéantis toutes ces choses ce soir. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie fort. Tout ce qui réclame un droit ou un pouvoir maléfique sur ta vie à cause du nom de famille que tu portes, tu vas dire ce soir, Seigneur, anéantis-les. Libère-moi de leur pouvoir. Libère-moi de leur influence. Libère, 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 libère-moi. Pray, 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 pray. Pray, pray. Insiste. Pray. 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 Mon frère, continue à presser de l'avant. Tout ce qui réclame un droit ou un pouvoir maléfique sur ta vie à cause du nom de famille que tu portes, tu vas dire ce soir, Seigneur, anéantis-les, 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 réduis l'anéa, réduis l'anéa, libère-moi de leur pouvoir, libère-moi de leur influence. Mon frère, prie ainsi. Jésus, arrête-les. Libère-moi de leur pouvoir. Libère-moi de leur influence. Pray, 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 pray. Un pouvoir maléfique sur ma vie. À cause de ce que je porte. Mon Dieu, mon Père. Prie avec énergie. Prie agressivement. À cause du nom que tu portes. La chose réclame un droit.
La chose réclame un pouvoir sur ta vie, dans ta vie. Dis Jésus, par le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, libère-moi ce soir du pouvoir de l'influence de ces choses. Mon frère, prie, insiste. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie pour tes enfants. Même s'il n'y a rien maintenant, mon frère, prie à l'avance. Que ton enfant soit libéré. Libéré, libéré. Libéré, libéré. Par le sang du rachat. Mon frère, insiste, continue à prier. Mon Dieu, mon Père, Jésus. Jesus, now we pray. Frère, écoute, si nous prenons par exemple le pasteur Sagoran, les réalités spirituelles qui sont établies dans sa famille ne peuvent pas m'affecter moi. Moi, je suis agué. Mais n'importe quel enfant Sagoran qui n'a pas compris ces choses et travaillé sur ça. Ce n'est pas je suis chrétien. Frère, c'est une tromperie ces choses. Ce n'est pas je suis chrétien. Frère, tu viens de quelque part. Il faut que tu travailles pour te couper, te libérer de ces réalités-là. Tu vas élever ta voix et prier. Alléluia. Alléluia. Les alliances qui sont attachées à mon nom de famille. Alléluia. Et qui sont en train d'influencer ma vie. Ce soir, je détruis ces alliances. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toutes les alliances spirituelles qui sont liées à mon nom de famille et qui sont en train de suivre ma vie, d'affecter ma vie, d'influencer ma vie, au nom de Jésus, que ces alliances soient détruites. Je me libère, je libère ma vie totalement. Amen. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie pour tes enfants, prie pour tes enfants. Ils portent un nom. Prie. Mentionne le nom, mentionne le nom. Mentionne ton nom de famille. Oui, mentionne ton nom de famille. Toutes les alliances et les réalités spirituelles qui sont en train d'affecter ta vie à cause du nom que tu portes. Ce soir, que ces alliances soient brisées, brisées, brisées. Mon frère, parle, proclame. Parle, proclame. Ce soir, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je libère ma vie. Kaka, prie bien. Je libère, je libère, je libère ma vie. Mes destinées, les événements de ma vie. Utilise le sang de Jésus, le sang du rachat. La lance qui est dans ce sang. Pour détruire les alliances maléfiques qui sont liées au nom de famille que tu portes, qui sont en train d'influencer, affecter ta vie à mal. Dis Jésus. Mon frère, prie, insiste. Toutes les alliances maléfiques, les alliances démoniaques qui sont en train d'affecter ma vie, de suivre ma vie à cause du nom de famille que je porte. Mentionne le nom, mentionne le nom. Ce soir, je détruis ces alliances. Je libère ma vie de ces alliances. Mon frère, prie, 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 prie. Ce soir, je détruis ces alliances. Ce soir, je libère ma vie de ces alliances. Que ces alliances soient brisées. Mon frère, prie, insiste. Brisé, 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 brisé. Insiste, 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 insiste. Brisé, 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 brisé. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Mentionne le nom. Par le sang du rachat. Mentionne le nom, mentionne le nom.
Mentionne le nom. Les alliés qui te suivent, qui a fait ta vie. Proclame ta séparation, ta libération totale de toutes ces réalités, de toutes ces alliances. Insiste fort. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Oh, je libère, je sépare ma vie. De tous ces alliés qui sont attachés à mon nom de famille. Des réalités spirituelles attachées à mon nom de famille. Et qui sont en train d'affecter, de suivre ma vie. Mon frère, priez. Je libère ma vie ce soir. Je sépare ma vie ce soir. Par la puissance du rachat. Mon frère, parle. Je libère, je sais pas ma vie. Je libère, je sais pas ma vie. De tous ces alliés maléfiques démoniaques. Liés à mon nom de famille. Et qui sont en train d'affecter ma vie d'une manière ou d'une autre. Mon frère, parle. Prie à l'avance pour tes enfants. Prie pour ton mari aussi. Peut-être ce qui se passe dans ta vie, dans sa vie. Certains événements de sa vie sont liés à des réalités. À cause du nom qu'il porte. Dis Jésus. Set me free. Set me free. Jésus, libère-moi par ton sang. Toi-même proclame ta libération. Je me libère. Je libère ma vie, je sépare ma vie. Parle. Je sépare ma vie. Parle. Je sépare ma vie. Je sens du rachat. Que ces liens soient brisés. Alliance brisée. Brisé. Ce soir, je sépare ma vie. Je libère ma vie. Avec le sang du rachat. Je sépare ma vie. Je libère ma vie. De ces alliances. Insiste. Je sépare ma vie. Je libère ma vie. De toutes ces alliances. Avec le sang du rachat. Je sépare ma vie. Je libère ma vie. Quelque chose va relâcher ta vie. Une voix qui criait derrière toi va cesser de crier. Les réclamations vont terminer. Les réclamations vont finir. Parle. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que tu tiennes debout. Et toi aide tes frères. Tous ceux qui sont en train de réclamer ma vie. Réclamer un élément de ma destinée. À cause du nom que je porte. Les alliances. Les réalités spirituelles. Qui sont liées à ce nom. Et qui affectent ma vie. Jésus, ce soir. Je libère ma vie. Je sais pas ma vie. Yes, parle encore. Jésus, ce soir, je libère ma vie. Nous avons une heure de temps pour prier ce soir. Si tu le fais bien, quelque chose va se passer avec toi. Insiste. Jésus, ce soir, je sais pas ma vie. Mon Dieu, mon Père, je libère ma vie. Je sais pas ma vie. De tout ça, il y a été spirituel maléfique. Lié à ma vie. À cause du nom que je porte. Ce soir, je libère ma vie.
Ce soir, je ne sais pas ma vie. Ce soir, je libère ma vie. Ce soir, je ne sais pas ma vie. Ce soir, je libère ma vie. Avec le sang de Jésus. Insiste, insiste, insiste. Brisez. Brisez au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés. Cette alliance. Brisez. 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 Jesus name we pray. Yo Jesus sing come me hold it. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Mais oui, dans les... Jésus quitta le territoire de Tyr. Jésus a gossiné ici à Ekubanji. Et revint par Sidon vers la mer de Galilée. Bolé ko wa Sidon le Galilée to homme. En traversant le pays de la Décapole. Et wa dasa de Décapole sito. On lui amena un sou. Yek plateau kuno de wani. Qui avait des difficultés à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Alléluia. Alléluia. C'est pour éviter les interférences que Jésus fait ça parfois. Quand il voit que le mulet est hostile et que les pensées des gens vont créer des interférences, il s'isole. Vous allez voir ça plusieurs fois. Soit il s'isole ou bien il prend les gens dont la pensée est la même que sa pensée et il les prend et il prie. Donc il le prie à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira. Et dit, Afata, c'est-à-dire, Afata, c'est en hébreu, Afata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia. Amen. Amen. Et il parla très bien. Jésus le recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus il le publiait. Parce que nous ne pouvons pas ne pas dire ce que s'est passé avec nous. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Et ils disaient, qui est celui-ci? Amen. Amen. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. David a dit, David, tu as multiplié tes merveilles. Tu as multiplié tes merveilles à notre égard. Tu as multiplié. Lève ta main. Frère, Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Nos vies, sur ce passage, on va faire quelques 4 ou 5 requêtes. Ta vie sera merveilleuse si Dieu fait des merveilles dans ta vie. Et s'il a fait des merveilles alors, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il peut le faire encore aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, cette nuit, fais des merveilles dans ma vie. Fais des choses merveilleuses dans ma vie. Des choses que les gens vont voir et s'étonner. Seigneur, fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma maison. Dans la vie de mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail. Seigneur, fais des merveilles dans ma vie ce soir. Fais des choses étonnantes. Frappe les mains, commence à prier au nom de Dieu. Il est capable, mon frère, prie. Ça doit se passer aussi avec nous. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre, que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu des merveilles. Mon frère, la tension de ta prière est en train de baisser. Seigneur, fais des merveilles dans ma vie ce soir. Fais des choses merveilleuses. Des choses étonnantes. Dans ma vie, dans la vie des miens. Ma femme, mes enfants. Mon ministère. Mon foyer, mes affaires, mes finances.
ma carrière. Seigneur, fais des merveilles. Frappe les mains, prie. Mon frère, prie. Seigneur, fais des merveilles. Oh, fais des merveilles. Des choses merveilleuses. Seigneur, fais des merveilles. Multiplie tes merveilles. Des choses merveilleuses. Dans ma vie, dans ma maison. Dans la vie des miens. Seigneur, fais des merveilles. Mon frère, prie. Presse de l'avant. Seigneur, fais des merveilles. Des choses merveilleuses. Des choses qui étonnent. Des choses que les gens vont voir et s'étonner. Seigneur, fais-le. Tu es le Dieu des merveilles. Mon frère, prie, prie, prie. Presse de l'avant. Prie. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Insiste. Oui, prie. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants. Tes activités, ta vie professionnelle, ta santé. Que le Dieu des merveilles. Fais des merveilles, fasse des merveilles dans chaque aspect de ta vie. Oh Père, Seigneur, fais des merveilles, des choses merveilleuses avec moi dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, mon foyer, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Fais des choses étonnantes. Oh Seigneur, fais des choses étonnantes. Mon frère, prie, insiste. Parle encore, parle encore. Parle encore. Jésus, fais des merveilles dans ma vie. Tu es le Dieu des merveilles. Fais des choses étonnantes. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth, tu vas élever la voix. Tu vas dire, accorde-moi une grâce. Ce soir. Accorde-moi ce soir une grâce qui va étonner les gens. Main sur ma vie, main dans ma vie. Une grâce qui va étonner. Quand les gens vont voir cette grâce se manifester, ils ne vont pas croire. Alléluia. Une grâce qui va faire de ta vie une vie qui va étonner les gens. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Mon frère, réclame. Demandez et on va vous donner. Il y a des grâces ordinaires. Il y a des grâces ordinaires. Mon frère, prie, insiste. Prie. On n'a pas encore fait 30 minutes. Hein, engage-toi totalement, engage toute ta force. Seigneur, accorde-moi ce soir une grâce étonnante. Mets dans ma vie. Mets sur ma vie ce soir. Une grâce qui va étonner les gens. Parle. Pray. Insiste. Une grâce étonnante. Ouvre ta bouche et prie. Ne tombe pas debout. C'est la grâce de Dieu qui va te faciliter la vie. Oui, c'est la grâce de Dieu qui va te faciliter la vie. Qui va rendre ta vie agréable. Ouvre ta bouche et prie, sœur. Vous restez là, vous ne priez pas. Papa, mets dans ma vie ce soir. Prie. Seigneur, mets dans ma vie ce soir une grâce étonnante. Parle. Mets dans ma vie ce soir. Insiste. Jésus, mets dans ma vie ce soir. Prie. Mets dans ma vie, mets sur ma vie. Une grâce étonnante. Jésus, mets dans ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Mets sur ma vie ce soir. Une grâce étonnante, une grâce qui sort de l'ordinaire. Mon Dieu, mon Père, mets dans ma vie ce soir. Une grâce étonnante, mets sur ma vie ce soir. Pray. Mets dans ma vie ce soir.
Insiste. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Accorde-moi cette nuit. Mets dans ma vie cette nuit. Mets sur ma vie cette nuit. Une grâce étonnante. Insiste. Une grâce étonnante. Mets dans ma vie cette nuit. Une grâce étonnante. Mets sur ma vie cette nuit. Une grâce étonnante. Mets dans ma vie éternelle. Une grâce étonnante. Une grâce étonnante. Une grâce étonnante. Papa, mon Dieu, mon Père. Insiste. Une grâce étonnante. Une grâce étonnante. Mon frère, parle à Dieu. Une grâce étonnante. Ta grâce éternelle. Jésus, ta grâce. La grâce éternelle, mon Dieu. Une grâce étonnante. Mets dans ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Mon Dieu, mon Père. Mets dans ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Mets sur ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Insiste. C'est ce. Mets dans ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Mets sur ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Mets dans ma vie ce soir. Une grâce étonnante. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Jésus Nazareth, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, connais-moi à la source de tes grâces. Que tes grâces commencent à couler de manière évidente dans ma vie. Amen. Dans ce que je fais, que tes grâces coulent de manière évidente. Dans ma maison, que tes grâces commencent à couler de manière évidente. À se manifester de manière évidente. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père. Connaître-moi. À la source de tes grâces. Pré. C'est ça qui fait la différence. Quand la grâce de Dieu va agir, tes efforts seront limités. Ça va amoindrir tes efforts. Tes efforts vont porter de grands résultats. Parce que les résultats selon la grâce. Dis-moi, Dieu, mon Père. Connaître-moi. À la source de tes grâces. Que tes grâces commencent à couler à flot. À couler abondamment. À couler de manière évidente. Dans ma vie, dans ma maison. Dans mon ministère. Dans ce que je fais. Dans ma vie professionnelle. Dans mes affaires. Dans la vie des miens. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de chacun de mes enfants. Que tes grâces coulent. Que tes grâces se manifestent. Avec évidence. Prie. Frappe les mains et prie. Que tes grâces commencent à couler à flot dans ma vie. À flot. Abondamment. Abondamment dans ma vie. Insiste. Dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, que tes grâces commencent à couler à flot dans ma vie. Commence à couler abondamment. Insiste. Mon Dieu, mon Père, connaître-moi à la source de tes grâces. Connaître ma vie à la source de tes grâces. Insiste. Commence à couler abondamment dans ma vie. Abondamment dans ma vie. À flot, papa. Mon Dieu, mon Père. Tes grâces, papa. Que tes grâces. La grâce de Dieu va te distinguer parmi tes semblables. La grâce de Dieu va te rendre la vie facile. Dis, mon Dieu, mon Père. Connaître ma vie. Connaître ma vie. Ma maison, mon foyer, la vie des miens. Mes affaires, ma carrière. À la source de tes grâces. Qu'elle coule. Que tes grâces coulent. Que tes grâces coulent. De manière évidente. Qu'elle coule abondamment. Insiste. Jesus name we pray. Dis amen sur ta requête de prière. Dis amen très très fort. Amen.
Tu vas crier à Dieu. Mon Dieu, mon Père. Ce soir. Tout ce qui ne fonctionne pas bien. Tout ce qui ne marche pas correctement. Tout ce qui ne se passe pas comme tu l'as prévu pour moi. Cette nuit. Seigneur, corrige-le au nom de Jésus. Seigneur, corrige-le. Change-le. Frappe-le, mais commence à prier au nom de Jésus. De manière surnaturelle, surnaturelle. Mon frère, il peut le faire. Il peut changer les choses. Apporter des changements, des corrections surnaturelles. Mon frère, prie. Tout ce qui ne se passe pas bien dans ma vie. Mon frère, prie. Tout ce qui ne fonctionne pas correctement dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie des miens, mes affaires, ma vie professionnelle, ma santé, mon corps. Tout ce qui ne fonctionne pas correctement, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne se passe pas comme Dieu l'a prévu pour moi, soit changé, corrigé ce soir de manière surnaturelle. Mon frère, prie ainsi. Frappe les mains, frappe les mains. Et prie. Prie. Seigneur, change, change, change. Change, apporte les corrections. Dans mon corps, mon corps, mon corps, mon corps. Tout ce qui ne fonctionne pas. Mes destinées, ce qui ne fonctionne pas. Mes affaires, ma carrière, ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne marche pas correctement. Ce qui ne se passe pas comme Dieu l'a prévu pour moi. Soit changé ce soir de manière surnaturelle. Pray, 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 pray. Hold it, hold it, hold it, pray. Hold it. Pray, pray. Insist. Insist, insist, insist. Change de manière surnaturelle. Change de manière surnaturelle. Change de manière surnaturelle. Tout ce qui ne va pas. Ta prière manque d'engagement. Tu peux prier ce soir, Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Dieu va changer quelque chose dans ta maison. Il va changer quelque chose dans la vie des tiens. Oui, ce soir, Dieu peut apporter une correction. Dieu peut apporter un changement. Dans ta vie, les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne se passent pas, comme Dieu l'a prévu pour toi. Dis-moi, Dieu, mon Père, ce soir, apporte un changement surnaturel. 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 Mon frère, prie, insiste. Pray, 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 pray. Hold it, hold it, pray. Hold it. Pray, pray. Hold it, hold it, hold it. Apporte son mot naturel. Apporte éternel. Et son mot naturel. Et son mot naturel. Apporte papa. Apporte éternel. Et son mot naturel. Apporte papa. Et son mot naturel. Et son mot naturel. Et son mot naturel. Une correction naturelle. Corrige le mot. Insiste, 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 insiste. Jésus corrige-le. Papa corrige-le. Jésus corrige-le. Jésus corrige-le. Tout ce qui ne fonctionne pas, comme Dieu l'a prévu. Dans ma vie. Insiste, insiste, insiste. Jésus corrige. Jésus corrige. Papa corrige. Apporte un changement. Surnaturel, papa. Un changement surnaturel. Mon frère, prie. Prie. Il y a beaucoup de choses dans notre vie. Dans nos maisons, dans nos foyers. Notre carrière, nos affaires. Qui ne se passe pas comme Dieu l'a décidé. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Dis mon Dieu, mon Père. Je prie ce soir. Apporte un changement surnaturel. 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 Prie ainsi. Prie, prie, prie. Hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it. Apporte un changement surnaturel. Apporte un changement surnaturel.
Dans le tout puissant nom de Jésus. Dis Amen, c'est de cœur de prière. Tu as dit ce soir, mon Dieu, mon Père, donne-moi le miracle de ma jubilation. La victoire de ma jubilation. La délivrance de ma jubilation. Le sujet de ma jubilation. Ce qui va me faire jubiler dans ta présence et devant les hommes. Seigneur, accorde-moi cela cette nuit. Dieu peut le faire. Le miracle, la délivrance, la grâce, la percée, le sujet de ta jubilation. Dieu peut te donner ça ce soir. Frappe les mains et réclame ça au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton enfant. Oui, peut-être ce qui va te faire jubiler va se passer dans la vie de ton mari. Peut-être ça va se passer dans la vie de ta femme. Peut-être ça va se passer dans tes affaires. Dans ton foyer. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce soir, donne-moi le miracle de ma jubilation. Donne-moi la délivrance, la guérison, l'ouverture, la bénédiction, la grâce de ma jubilation. Accorde-moi le sujet de ma jubilation. Mon frère, prie. Ça, c'est une prière ardente. Prie. Si tu veux, reste à genoux et dors. Dors à genoux. Amande wana mende Yesu. Tu ne fais rien de mal à quelqu'un. Tu te trompes toi-même. Papa, le miracle de ma jubilation. Prie. La guérison de ma jubilation. Seigneur, donne-moi ce soir le sujet de ma jubilation. Le miracle qui va me faire jubiler. Le miracle qui va me faire jubiler, papa. Opère ce miracle ce soir. Pray. Le sujet de ma jubilation. La délivrance. La délivrance éternelle. L'intervention surnaturelle. L'intervention surnaturelle. La guérison, les percées, les ouvertures, la bénédiction. Qui va me faire jubiler? Seigneur, ce soir, je sais que tu es capable. Donne-moi cela ce soir. Accorde-moi cela ce soir. Parle. Ce soir. Seigneur, donne-moi, accorde-moi le sujet de ma jubilation. Pray. Insiste. Si Dieu le fait, les gens le verront. Ils verront ta joie. Insiste. Mon frère, prie. Mon Dieu, mon Père, donne-moi le signe de ma jubilation. Donne-moi le signe de ma jubilation ce soir. Donne-moi ce soir le signe de ma jubilation. Donne-moi le signe de ma jubilation. Insiste. Le sujet de ma joie. Ce qui va me faire jubiler. Devant toi et devant les hommes. Oh Père. Fais ça dans ma vie ce soir. Fais-le pour moi. Accorde-moi ça ce soir. Seigneur, accorde-moi le miracle de ma jubilation ce soir. Accorde-moi, Seigneur, la grâce qui va me faire jubiler ce soir. La délivrance, la guérison. La satisfaction d'une attente. Oh Père, je prie ce soir. Je sais que tu es capable. S'il te plaît, Papa, agis maintenant. Presse de l'avant. Mon frère, ne te fatigue pas. Les gens verront ta joie après. Laisse ceux qui dorment dormir. Mais toi, prie.
Si tu n'as pas d'autre recours, prie. Insiste, insiste, insiste. Presse là-bas, presse là-bas. Il nous compte, il nous compte. Comme le sujet de ma tribulation. Jésus. Pray. Ode. Si Dieu ne peut pas nous écouter, nous sommes perdants. Si nous ne pouvons pas prier, être exaucé. Nous sommes perdants. Mais je sais, notre Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Prie avec engagement. Il le fera. Les gens verront. Ils verront ta joie. Ils verront ta jubilation. Et ils vont célébrer ton Dieu. Pray. Hold it. Accorde-moi ce moment. Comme le signe de ma jubilation. Mon Dieu, mon Père. Le signe de ma jubilation. Presse de l'avant, mon Dieu. Le signe de ma jubilation. Il nous con. Le miracle de ma jubilation. La délivrance de ma jubilation. Mon Dieu, mon Père. Accorde-moi le signe de ma jubilation. Jésus. Accorde-moi le signe de ma jubilation. T'es dit. Qui va me faire jubiler, papa? Accorde-moi, monsieur, de ma jubilation. Jésus, accorde-moi, monsieur, de ma jubilation. Papa Yahweh, accorde-moi, monsieur, de ma jubilation. Dans le nom de Jésus, dis Amen fort. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Tu vas élever la voix et prier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. Pas trois, tu vas mentionner trois choses. Par ta puissance. Par tes grâces. Et par tes bénédictions. Élève-moi à un niveau supérieur. Amen. Dans ma vie et dans ce que je fais. Écoute, ça fatigue. Quand tu tournes à rond. Sur la radio maintenant, je suis en train de parler des mouvements de la vie. Le premier mouvement, c'est l'immobilisme. Il y en a. Ils sont immobilisés. Si tu es là, quelque chose t'a immobilisé. Ta vie ou un domaine de ta vie. Que Dieu te donne la victoire sur cette chose. Il y en a. Les semblables sont en train d'avancer, mais ils sont là. Mais ils sont immobilisés là. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge même pas. Si tu n'as pas la sorcellerie et tu n'es pas dans quelque chose, prie. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné. Alléluia. Pour d'autres, j'ai dit, ils ne sont pas dans l'immobilisme. Mais ils font du surplace. On va te voir sortir le matin. Rentrer le soir. Mais tu ne vas nulle part. C'est un danger. C'est même plus grave que quelqu'un qui est immobilisé. On doit travailler. Mais ça ne produit rien. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas invoquer trois choses. Tu as dit, mon Dieu, mon Père. Ce soir, par ta grâce. Amen. Par tes bénédictions. Et par ta puissance. Amène-moi un niveau supérieur. Amen. Un niveau supérieur dans ma vie et dans ce que je fais. Pourquoi je me bouscule? Je ne veux pas être au même niveau dans le ministère année après année. Même on y est. C'est un danger. Ça fatigue la vie même. Tu seras fatigué de la vie. Ce qui motive l'homme dans la vie et dans ce qu'il fait, c'est quand
Quand les résultats sont là, quand oui, ça bouge. Oui. Maintenant, ils sont fatigués de la vie même. Mais c'est ce qu'on appelle la lassitude de la vie. Ils sont fatigués même. La vie n'a plus le goût. Tu vas dire, Seigneur, moi là, amène-moi à un autre niveau. La grâce qui va m'amener à un autre niveau. Mets cette grâce dans ma vie. La bénédiction qui va m'amener à un autre niveau. Seigneur, mets cette bénédiction dans ma vie. Et par ta puissance, propulse-moi à un autre niveau dans ma vie. Et dans ce que je fais, frappe les mains et crie à Dieu au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Prie. Par ta grâce, par ta puissance. Et pas tes bénédictions. Seigneur, amène-moi à un autre niveau, un niveau supérieur, un niveau élevé dans ma vie et dans ce que je fais. Mon frère, prie ainsi. Prie. Amène-moi à un niveau élevé. Amène-moi à un autre niveau, papa. Amène-moi à un niveau élevé, papa. Mon frère, prie. Non, vite, Rodé. Mon Dieu, mon Père. Amène-moi à un autre niveau. Dans ma vie, oui. Seigneur, fais-moi passer à l'étape suivante. À une autre étape. À l'étape supérieure. Au niveau supérieur. À une autre dimension. Dans ma vie et dans ce que je fais. Par ta puissance, Seigneur. Élève-moi, 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 élève-moi. Par ta grâce, élève-moi. Par tes œuvres, élève-moi. Oh Père, élève-moi. Par tes bénédictions, élève-moi. Dans mon ministère, élève-moi, Père. Mon frère, prie ainsi. Sur le plan professionnel. Mon frère, prie. Prie. Dans tes activités, dans ce que je fais. Oh Père, par ta puissance, par tes œuvres puissantes, tes œuvres surnaturelles, par tes grâces et par tes bénédictions, amène-moi à un niveau élevé, un niveau supérieur, une dimension élevée, une dimension supérieure dans ma vie et dans ce que je fais, dans ma marche avec toi et dans le ministère. Oh Père, amène-moi à un autre niveau. Mon frère, prie ainsi. Pray. Amène-moi, papa, un niveau supérieur. Par ta grâce, par ta puissance, par ta bénédiction. Jesus, now we pray. Lève ta main sur ça là, je veux parler sur ta vie. Dieu a dit à Israël. Deutéronome 1, verset 6. Il dit, pourquoi vous êtes là à tourner depuis autour de cette montagne? Pourquoi vous êtes là à vous contenter toujours des témoignages anciens, à parler des victoires du passé? Il dit, allez, levez-vous et allez devant. Ce que j'ai prévu pour vous est encore devant. La promesse est encore devant. Il dit, allez-vous. Allez prendre possession de ça. Mon frère, lève la main. C'est un aspect de ta vie qui est coincé, qui ne bouge plus. Par la puissance de Dieu, que cela soit décoincé ce soir. Yes. Dis amen bien. Dans ce que tu fais, s'il y a un dossier, il y a quelque chose qui est coincé, bloqué, immobilisé, et le temps est en train de passer. Ce soir, par la puissance de Dieu, mon frère, crois-moi, tu vas témoigner que cela soit débloqué au nom de Jésus. Je dis, tu vas témoigner. Sikapataya, Zandabo.
Tu vas témoigner, tu vas témoigner. Au nom de Jésus. La puissance qui fait le blocage soit brisée. La personne qui fait le blocage soit écartée. Anéanti au nom de Jésus. In the name of Jesus. À partir de ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es là et qui fais du surplace, tu es en mouvement. Mais tu ne vas nulle part. Tu travailles. Ça ne te fait pas avancer. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, que Dieu relance ta vie. Une année, Jésus. Ce domaine de ta vie, cet aspect de ta vie, où les choses ne sont plus en mouvement, les choses ne bougent plus, ça n'avance pas. Dans le nom de Jésus, à partir de ce soir, qu'il y ait un changement surnaturel. Si tu le crois, tu vas témoigner. Tu vas témoigner du miracle. Tu vas témoigner du changement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui es là, et tu t'étonnes de ce que tu es en train d'aller en arrière. Au nom puissant de Jésus, ce qui est devant toi et qui te pousse en arrière, que Dieu l'arrache de ta route. Soyez bien aimé. Masakalabo Sandayama. Dis un bon amen, dis amen très fort. Ce qui est posté devant toi et qui est en train de te pousser derrière, au nom de Jésus, que Dieu frappe cela par sa puissance. À partir de cette nuit, si tu le crois, tu vas témoigner que Dieu te pousse de l'avant dans ta vie spirituelle, dans tes finances, tes affaires, ta carrière. Que Dieu te pousse de l'avant. Que Dieu te pousse de l'avant. Que Dieu te pousse de l'avant. Le miracle qui va t'amener à un niveau supérieur, comme nous l'avons demandé, que ce miracle se passe maintenant. Ici et maintenant, que ce miracle se passe. Le miracle qui va t'amener à un niveau supérieur. Le miracle qui va t'amener à une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus, que ce miracle se passe avec toi. In the name of Jesus. Frère, écoute-moi. Ce soir, une lutte ancienne va te sortir par la victoire pour quelqu'un. In the name of Jesus. Un conflit qui a tant duré va être sauvé par la victoire pour quelqu'un qui le croit au nom de Jésus. À partir de ce soir, mon frère, écoute-moi. In the name of Jesus. Tu es là. Tu es là. Et les gens te regardent avec de petits yeux. Le miracle qui va changer les yeux avec lesquels les gens te regardent, la considération des gens à ton égard, que ce miracle se passe avec toi au nom de Jésus. Mon frère, dis amen très fort. Dis amen très très fort. Dis amen très très fort. Repapa sakata. Zekama masotolobo. In the name of Jesus. Mon frère, lève ta main. Au nom tout puissant de Jésus. Tout dispositif que l'ennemi a mis en place pour combattre ton progrès, que cela soit brisé au nom de Jésus. Le dispositif que les méchants ont mis en place pour combattre tes intérêts, pour combattre ton élévation, au nom de Jésus, que ce dispositif soit abattu ce soir. Mon frère, dis amen fort, dis amen fort. Yes. Malakai Sukitaya. Nous devons donner au job.
Ce qui devrait se passer déjà, mais qui ne se produit pas. Ce que l'ennemi a établi pour empêcher cette chose. Ce que l'ennemi a mis en place comme dispositif. Pour retarder les événements de ta vie. Et ce qui devrait se passer depuis ne se passe pas encore. Dans le nom de Jésus, que cela soit abattu. Que les dispositifs ennemis soient abattus. Plan de l'ennemi soit anéanti. In the name of Jesus. Je prie pour quelqu'un. Ce soir, parce que tu es arrivé ici ce soir, ce qui était déjà en retard soit accéléré de manière surnaturelle. Frère, écoute-moi. Je veux parler à quelqu'un. Listen. Le temps est passé. Quelque chose devrait se passer. Quelque chose devrait déjà se passer. Autre chose devait déjà suivre cela. Mais rien n'est encore passé. Frère, écoute-moi. Au nom tout puissant de Jésus. À partir de ce soir, ce qui fait l'empêchement est détruit au nom de Jésus. Et il dit déci de Jésus qui comme. Listen to me. Frère, il doit vivre. Si c'est l'enfant. Et tu devais avoir déjà deux enfants. Et jusque là, tu n'as même pas encore un enfant. Quand tu vas vouloir enfanter, tu auras des jumeaux. C'est pour t'expliquer ce que je veux te dire. Listen. Ce qui devrait déjà se passer. Autre devrait suivre cela. Ce soir, au nom de Jésus, le tout va arriver en même temps au nom de Jésus. Les choses vont se précipiter. Frère, à moins que tu sois sceptique. Pour que le miracle ne se passe pas. Frère, Dieu va t'amener à un niveau. Tu ne vas pas tarder là. Et il va te propulser encore. Il va faire quelque chose. Tu n'auras pas fini de témoigner de cela. Et un autre miracle va tomber encore sur toi. Une autre grâce va tomber sur ça. Mon frère, si tu le crois, si tu n'es pas sceptique, dis amen fort. Ce que l'homme pensait que ça ne peut plus encore se passer. Ce soir, à cause de cette heure de prière, de manière surnaturelle, que cela commence à se passer avec toi. Dis amen fort. Peut-être toi-même tu n'y crois plus. Toi-même tu ne crois plus. Frère, peut-être tu ne croyais plus. Abraham ne croyait plus. Sarah ne croyait plus. Mais le Dieu qui a parlé tenait sur sa parole. Mon frère, écoute-moi. Ce que tu entends d'entendre ce soir, à cause du nom de Jésus, ça va se passer dans ta vie. Pour la gloire du Dieu vivant. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, dans quelques jours, cette année ira à sa fin. Nous l'avons déclaré une année de jubilation. Par inspiration divine. Avant que cette année ne ferme ses portes, tu vas jubiler devant Dieu. Tu vas jubiler devant les hommes. Tu vas jubiler dans l'assemblée de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu vas jubiler dans ta maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus, tu vas jubiler. Le miracle de ta joie va se passer. 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 Au nom de Jésus de Nazareth.
frères, voyez, c'est ça qu'on appelle prière prophétique. La prière qui est faite, une instruction divine. Mon frère, moi je sais ce que j'ai vu. Et je sais ce que j'ai entendu. Dans cette vision. Et cet homme-là, ce qui se passe avec lui, c'est à cause du nom de famille qu'il porte. Mon frère, je prie encore pour toi ce soir. Toutes les alliances maléfiques attachées à ton nom de famille, les réalités spirituelles attachées à ce nom, et qui sont en train de déranger ta vie, que le sang de Jésus les détruise complètement. C'est un mystère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bien-aimés, on tape ce nouveau mois d'octobre avec le spécial séminaire d'édification de la communauté internationale de la rédemption du dimanche 1er au dimanche 8 octobre 2023. Thème, l'incarnation spirituelle. Luc 24, verset 39, orateur, apôtre Paul Hagué. Pour entendre de Dieu et grandir spirituellement, rejoignez-nous dans ce programme le dimanche 1er octobre à 8h30 pour le culte d'ouverture et les autres jours à 19h. L'apothéose sera pour le dimanche 8 octobre à 8h30. Sikekosi, deuxième rue, à gauche, après la pharmacie à Deschinan, en allant à Maro Militaire. Contact 00229-6953-5555. Facebook, YouTube, c'est hier, Église. Venez et repartez, transformez. Que tu as opéré dans chacune de nos vies.